Salut Sophia. Verrouillé. Veuillez contacter le responsable d'Alas pour obtenir une autorisation. J'ai enfin réussi à accéder au système du pont de forage. Tu vois la balise de détresse? Non, et les tubes de lancement sont verrouillés. J'ai besoin du rig d'un administrateur du pont pour les ouvrir. L'administrateur du pont est le responsable d'Alas. Il est sur le pont inférieur de traitement. Je détecte aussi le rig d'un certain Jacob Temple, sur le pont inférieur de maintenance. Peut-être qu'il a laissé la balise de détresse là-bas. J'espère que ces dysfonctionnements t'empêcheront pas d'y arriver. Ce sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des pièges. Les mineurs ont essayé de se défendre. Merde. Bon, je vais déverrouiller les ponts inférieurs. Assure-toi juste que la balise n'est connectée à rien. Salut requin, bienvenue à toi.
Chris, c'est Jacob. J'ai pas réussi à te joindre. Si tu trouves ce message, je suis plus sur le pont, mais je... Je reviendrai vite. J'ai reçu l'appel d'un autre survivant, il avait l'air terrifié. Je vais boucler la balise de détresse et aller le chercher. On a le temps avant la fenêtre de lancement, de toute façon. Et il a l'air de valoir le risque. C'est un médecin du nom de Mercer, je crois. Mais j'espère que ce sera bientôt terminé. Je t'aime. Fais attention à toi, s'il te plaît.
et quelqu'un a déclenché la sécurité. La porte de la salle s'ouvrira quand la gravité sera restaurée, mais le système refuse de le faire tant il reste des débris. Au moins le laser de traitement fonctionne encore. Attends deux secondes.
le responsable Dallas. Dernière entrée du journal. J'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas quitter le pont inférieur. Mais je suis coincé aussi. J'ai vu ce qu'ils infligent à ces corps. Ce qu'ils deviennent. Et je refuse que ça m'arrive. Au moins, si je n'ai plus de membres, je ne pourrai tuer personne quand je serai infecté. Dites à Dawn, à mes enfants, que je les aime. Protection de sécurité de niveau 3 requise. Habilitation confirmée.
Elle doit être dans les conduits du pont d'équipage. Ils abordent quelque chose. Perdu le signal d'Amande. Trouve-moi cette balise de détresse. Je veux me tirer de ce putain de vaisseau.
Isaac. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que tu sois là. Je pensais plus jamais te revoir. Je vais nous faire sortir d'ici. Il y a une balise de détresse pas loin. On va pouvoir demander de l'aide. La balise? Oui. Ils l'ont enfermée dans l'atelier, mais on pourra entrer avec mes autorisations. Par là. Je peux déverrouiller l'atelier d'ici. Nicole! J'ai tellement de choses à te dire. Je sais, on aura le temps, je te le promets. Récupérons cette balise. Tout le monde compte sur nous. L'atelier est ouvert. Tu savais jamais vu faire ça? T'es un vrai chirurgien avec ce truc. Je suis là. Bon. Comment je t'atteins maintenant? Non, concentre-toi sur la balise de détresse. Il y a des conduits de maintenance un peu partout. Je te rattraperai. Si t'en vois d'autres, tu te planques, ok? Je t'aime, Isaac. Je te le promets, tu vas y arriver. Remets les choses comme elles étaient. Et ne faisons plus qu'un. Je vais bien. J'ai trouvé la balise de détresse. Nicole m'a aidé. Nicole est là? On a été séparés. Mais elle va trouver un moyen de revenir. Elle en a de la ressource, hein? Je retourne vers la salle de contrôle de forage pour envoyer la balise. Guette l'arrivée de Nicole. En espérant que le système foire pas à nouveau. Fais gaffe à toi. Thank you.
en zéro gravité. Sortie d'une zone en zéro gravité.
sortie d'une zone en zéro gravité.
accès administrateur accordé. Préparation des tubes de lancement. Aussi. Ils sont foutus. Génial, putain. C'est pas comme si on pouvait balancer la balise par la fenêtre. Il doit y avoir un autre moyen. L'astéroïde. Celui dans la fonderie de la baie minière. Qu'est-ce qu'il a? Si je fixe la balise de détresse à cet astéroïde et que je le lance loin du vaisseau, on aura du signal. Et tu mourras. Les machines tournent à plein régime. Ce qui a sûrement empêché ces choses d'entrer aussi. C'est notre meilleure chance, Kendra. Je la saisis.